Bonjour peuple congolais, ça dépend à heure où vous allez couler ngai, ngai de voilà nous Christian Bola bien maman ma peuple mon congé peuple souverain, combattant résistant révolutionnaire PNI PNI et ali politicien non institutionnel. Ben de voilà ngai tué couler ma cambo, les lots où ils allaient vous concerner mon cannabiso. Mboka na biso ezali mboka moko monene, mboka na biso ezali mboka oyo etondi ba problème. Ba problème on a pe mingi ezali ko uta na ba pa ya ba pour oyo mingi pe ezali ko uta na biso moko plus que tout. Zali ko yé ba ko maîtriser makambo te. Congolais tanga ka mingi te. Congolais asala ka ba recherche te. Congolais asala ka ba analyse te. Congolais donc azali mutu oyo a monaka makam na ndenge na ye. Alors tant to kinda ko mona makam na ndenge na biso place to bunga kanzela to ko yiko kede ko mona pe na ndenge na biso metoza na nzela malamu me mingi mingi tant to landa kanzela o ya biso na ndenge biso to rezo dan ka place to kinda ka a côté puisque la mena to ko sala science o ya biso et science wana na science universelle les alités demande ko nanga c'est très important to ye le lo ko lo ba Makambuya, Parc Virunga. Parc Virunga, bande konangai, tolani na etando eke, na France 24, afin na TF1, puisque tant la outi moussala, moi si nanga bete linga li solo wana, et puis, li souchou, ngai mogope, na moni ndeko mogo atine lingai, ndeko mo atine lingai video, ndeko mo atine nga video do mwazali pe koloba makambo wana yango wana esengeli to esengeli bandeko na ngai donc to landela yango vraiment de près parce que situation ezali bien te yango wana donc tozali ko landela yango pona to laksa na peuple na biso ke tozali na mubunga. Parce que Elobami, c'est vrai, Elobami na TF1. Elobami na TF1, ndeko moko, donc ye opé, nazoluka numéro na ye, atine nga message, pour na koloba ke ye pe a bengi TF1, et que esengeli to benga TF1. Voilà, message en gros. Numéro ya téléphone ya TF1, ezali. Apeci numéro téléphone à TF1, donc 01-41-41-12-34. Donc, à ça, il y a une recherche, certes, donc numéro à TF1, il y a un bobenga bango pona kotia bango pression que Virunga eza na Rwanda te me na Congo na Kivu. Ngai na bengi bango déjà mais bakoza la joignable lobby à partir à 8h30. To benga TF1 lobi biso nyonso pona koyebisa bango ke Virunga eza na Congo RD non na Rwanda ndeko mwasi to mobala sali mosala na ye nazani meone a mwana tanga ezate asali mosala na ye ndenge sengeli moto nyonso to kongole nyonso to asala me bandeko na ngai eloko oyo esengeli ko rappeler na peuple congolais ezali certaines précisions. Je suis d'accord avec ma femme, c'est elle qui me l'a dit que voilà, il y a ça comme information. Et puis, na moni, na portable, ami, na ngai, donc na WhatsApp, atindi pe message, donc na panzi, atindi pe ngai. Donc, on a ngai tout mon makambu, bande kon ngai, clairement, situation ya parc Virunga et prêtera toujours à confusion. Parc Virunga ezali ya biso mais na origine ezali ki ya biso te et sou boy bolanda même na Wikipedia bolanda bokomona ba explication soki bokomona ba explication ezali claire mais neti eza clarté pourquoi na bongo il faut ta langue de deux côtés parce que de deux côtés na expliquer mais parce que Parc Virunga à l'origine ils allaient créer sous le Congo belge.
c'est un projet qui a chasse donc il a été indépendant du Congo mais bah il a créé vraiment parc donc sous le Congo belge na roi Albert. Roi Albert. Donc ça dit parc on a créé en 1925, c'est un des vieux parcs, un des grands et vieux parcs d'Afrique. Même dans le monde, ils allaient parmi les parcs où ils ont quand même payé, ils allaient dans la longévité, ma casse. 1925. Date où on a au changé à Yangote, n'a pas changé à Yangote. Donc, on a ligné tout ça la réflexion, puisque donc, tous allaient au bout de ma cabébélé. Il ne suffit pas seulement de dire que parc et verrons les abissos, ma cabébélé, ce qu'on a non. Donc, ça dit, il ne suffit pas de dire que Naza Congolais. Non, mais il faut prouver que vous êtes Congolais. Il faut prouver que vous êtes Congolais. Puisque Babi, qui est le parc Virunga, est allié donc Barbi à Rwanda. Tu vas dire qu'on s'agitait, tu vas dire qu'on tomboka. Oui, mais est-ce que tu vas dire qu'on tomboka? Mais il faut te justifier en haut. Tu vas justifier en haut pour la tour de bagarre que parc Virunga est allié à Congo. Non. Tu justifier en haut, est allié, c'est dans le temps et dans l'espace. Tu justifier en haut, maintenant, c'est de l'histoire. Il y a environnement, c'est de l'histoire. Il y a Mboka au Babengi Congo. Congo, Congo, on attend le Congo belge. Et Congo belge, on attend le Zaïgi Nini. Congo belge, en 1925, tu as eu un statut Nini, tu as eu Nini. Tu as eu une 9e province, il y a Belgique. Tu as eu une banane, tu as eu une Rwanda, une Burundi. Nde ko ngam na inventé makamona te nazali ko babilo ko pona to se comprendre puisque pour ba ah mais pourquoi oui parce que vous ngali ya Congo mais ngali ya Congo mais faut ta na origine aussi il y a des documents oyo ezali clarté là-dessus na bité que ezali clarté là-dessus que parce que vous ngali na non parce que Virunga donc au départ avant indépendance peut-être pour ba mais au côté sous indépendance mais ndeko ngai de te faire lobby TF lobby que parce que Virunga est allé à Rwanda. Est-ce que vous justifiez en dehors? On a la justification en dehors. Non, parce que donc non parce que Virunga est allé à Yabiso. Non, il faut là-bas na ko expliquer. Mais comment on dit que Zala qui na origine na dit que tout comme il est le temps de subir l'indépendance na dit que comme il est le. C'est ça un peu donc la différence. Il y a moins de temps que la bino va beaucoup payer à l'État. Bah Mikanda ou Esengeli ou yo ezape ko parler na. Parc de Virunga, tu vois qu'il y a Wikipédia, Bouye, Parc de Virunga, et Nini. Et puis, il y a des gens qui sont Nini. Et puis, il y a des gens qui sont comme garants, enfin, il y a des gens comme le Parc de Virunga, et qui sont là. Et tu as une époque Nini. Et Parc de Virunga, comme Parc de Virunga, quand? Puisqu'il y a un Parc Albert. Albert, il y a roi Albert. Je pense voir où il a remplacé qui Léopold II ou Moussou. Parc Virunga est basé dans le parc Albert. Étant basé dans le parc Albert, est-ce qu'il y a une possession à Congo? Est-ce qu'il y a foncièrement à Bissau? Non. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a des de la documentation. Il y a des ouvrages, il y a des publications. Et ça prête à confusion. Limite est mounana, mais dans l'histoire, ça prête à confusion. Et puis, ngana est bien, puisque j'avais travaillé là-dessus, dans le compte et à laboratoire, la Bissau, anthropologie du droit master 2. D'autant que nous avons tous ces ventes à rater, mais nous avons tous ces ventes à rater. Donc, tout le temps, il y a un passage. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a Wikipédia? Parc de Virunga, parc Albert. Albert fut un des rois de Belgique. Le projet remonte déjà, donc on a État indépendant du Congo. C'était une étendue où donc, les colons allaient chasser là-bas. Puisqu'il y avait des espèces rares, tout ça. Pour nous, il y a un trophée, il y a un trophée, il y a un trophée, il y a une photo, etc. Une cartographie, etc. Mais, en 1925, il y a créé un parc côté de Bissau, Congo belge. Bah il faut étendre Yango en 1929 côté rwandais d'où Yango nandé donc ça dit c'est ça le parc Albert surtout que le parc Albert 1 et aïe côté la Bissau le Congo belge parc Albert 2 et aïe parti Oyo
ezali ko reveni na Rwanda lelo. Ça c'est en 1929. Na 1925 o basala ki wana, na 1929 ba étendre na parti ko ezali ki Rwanda. Et na 1925 o basala ki yango, est-ce que ezali ki ya ba congolais? Puisque biso to yaki donc 9e province ya Belgique. To yaki 9e province ya Belgique. Rwanda ezali 7e province ya Belgique. Force publique na biso ezo ke ne kosala force publique kuna na police, puisque force publique yali na deux rôles, ya armée na police. Bazali ko ke ne ti kuna ko recruter localement pour la sécurité, ko protéger territoire. Donc ça dit y a une imbrication au Tolobaka à partir de 1919, société des nations ta ba botoli. Ta ba botoli Allemagne ba territoire na à travers le monde. Donc notamment en Afrique, tout autant à Togo et Zaka Allemagne, jusqu'à 1919 Togo et Zaka Allemagne, tant à Kaboul Afrique 1885-1919 Togo et Zaka Allemagne, Cameroun totalement ou une partie Zaka donc Allemagne, et Muninga n'anga le bâtiment administratif mingi où ils en a Cameroun et Zali donc ils ont remonté l'époque allemande. Donc aujourd'hui Namibie et Zaka Allemagne. Aujourd'hui, Rwanda, Burundi, Zaïki, Allemagne. Ba Botoli, ba Société des Nations enceinte à l'ONU, à Kaboli, yango. Ba bengo ba mandat, ba territoire dongo administré. Rwanda, Burundi, na tamba pesi Belgique, ba signé mukanda devant, donc ba sous le haut patronage de Rolo, ba donc devant tout le ba enceinte à l'ONU, donc SDN, Société des Nations. Pour que parti wana Belgique a joué yango officiellement en 1925 de Belgique a joué parti bamboko na mi balé et commis na administration na yé et ba signé ba bengaka protectorat état protégé bango mi balé wana et puis donc ou territoire protégé ou province protégée donc état protégé na état protecteur ezalini c'est la Belgique. Et bah sangisi biso na administration moko déjà parti en 1919 officiellement en 1925 to komi administration moko to koma même na monnaie moko na 1951. Et revenons maintenant donc na makama park et Virunga puisque c'est le sujet qui nous préoccupe. En 1925 donc c'est à dire la Belgique créa ce qu'on appelle le parc de Virunga donc ex parc Albert. 1929, donc il y a son extension donc dans la partie ya Rwanda et le de là ils ont ça là bien au parc de Virunga et tant aujourd'hui indépendance na 60 de Congo c'est quoi comme Congo BG comme indépendant de Kaboli biso donc de continuer parc de Virunga non parc Albert na 1969 sur la Boussanité. Nde Mobutu ayeko débaptisé et okoma parc de Virunga, le parc des montagnes. Donc voilà un peu, puisque Virunga en Swahili est en montagne, le parc des montagnes. Si ko bango Rwanda, donc na ba livre mouchou bo mona pe ba benga bango na pe parc de Virunga, na ba livre mouchou bo te mouchou ba benga pe bango ti le parc de Virunga, et donc bango ba joua kisko komo ta ba joua indépendance na bango ba joua komo ba benga au parc des volcans. Parc des volcans, donc ça dit espèces animales, végétales, ils allient des deux côtés, ils ont la même climat, ils ont macamundé ni moko. Donc niamaroui que l'on appelle koto aye koto, à moins que niamana bazala donc bazala na ba caché, bazala ba caché. Puis je m'en avais beaucoup mususho, gorille ya koto yo akéi koto yo gorille ya même ya parc des Virunga, aza la nationalité à Congo, je bois mieux que na Congo. C'est une façon de parler aussi. Mais niamanaka tazama tanga zo traverser bien que la frontière wana, la parc, la garde parc, bas aimer la partie nous les allies am. De niamago kat sa voie kiboué. Et parc Virunga ya biso donc les allies donc on a na longueur il y a 300 km, largeur plus de 50 km. Il y a bangweza large longueur bas 125 km. C'est une grande étendue. Donc, ils ont été Kinshasa, Tissongololo.
Poto baba matadi pour matadi à 350 km de Kinshasa ti songolo donc longueur wana 50 km ko donc de Kinshasa sur le poste ti songololo Kinshasa poste ti maluka ya 80 km donc ça dit tin c'est l'école cancelé tout ça ti OK songololo c'est le parc de Virunga côté na biso côté na bango pe et continue le souci. Donc c'est à dire dans de telles situations quand on doit discuter il faut avoir des arguments. D'où il y a un jour qui donne un document mon chouchou. Donc on parle du parc Virunga du Rwanda. Document mon chouchou. Parc Virunga de Kinshasa du Rwanda. Donc voilà. Donc, mais bango, normalement, parc n'a pas un parc des volcans. Bisson des alli parc des Virunga. Donc volcan. Virunga n'a soyez l'ingéloba volcan. Donc Virunga n'a soyez l'ingéloba volcan. Pour n'a bâtir sur le parc des volcans. Donc au fait, c'est le même nom. Sauf que koto puna bazui volcan koto toujours Virunga Virunga so na soyi linde na moni ba komi eza bongo do bandi kona to faire attention na ba blog mchuchu o toza ko ramasser par ci par là ya mwana do to kota mbala moko do na Wikipedia to kota na Wikipedia pona to vérifier makamo to sayi ko yisa bino parc des volcans du Rwanda voilà parc de Virunga du Rwanda parc de Virunga du Rwanda mchuchu zo ma parc de Virunga du Rwanda de parc national de Virunga office Virunga national park voilà donc on a joué batté au Ezali na mboka nini donc aba komi Nyamutera koto Mutura bon habité Nyamutera so Mutura Ezali na côté na biso lokuta ba biwana na habité donc voilà Nyamutera na vérifier en sousou. Voilà donc bandeko nanga to faire attention na makam to zali ko lobaka puisque ba situation ezali compliquée na terrain voilà donc structure administrative du Rwanda jusqu'au 1er janvier donc l'ex commis de Kigali Nyamutera donc il faut te faire attention là bleu tout le bain on a vu bah les alliés c'est long dengue journaliste c'est n'engal lobby télévision officielle en France avec lobby bongo mukileyoki oui bazar à tort puisque peut-être bah j'ai des informations à sûreté mais te faire attention bango peut pas couper le bas sous ma cam dengue sous money bango peut pas couper ma cam dengue sous. Bah on peut avoir le bah comme des mouchouchois donc ça dit bah des gonangaï il faut te faire attention na makam auto ça dit koloba donc parc des Virunga toujours en lango toujours la parc des Virunga parc Virunga du Rwanda na monia bâti parc national des Virunga office parc national Mutura Nyamutera Mutura na moneza pemé na Goma donc parc national de Virunga office batie flèche eza na Goma pemeni Mutura eza pemeni Kotoyo Virunga national park Nyamutera donc ça dit voilà yebanité soki ezali ya bisoto ya bango parc national de Virunga to landango donc na Wikipédia n'est pas commis. Le parc national de Virunga a été créé en 1925 dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui en fait le plus ancien parc national du continent africain. Son objectif était initialement de protéger les gorilles de montagne. À l'origine, il était désigné sous le nom du parc sous le nom de parc Albert. Son nom actuel date de 1969. Il a ensuite été agrandi en 1929 puis en 1950 pour atteindre sa superficie actuelle. Voilà. Donc, superficie 790 000 hectares. Donc, c'est ça. Le parc couvre 7900 km² depuis les montagnes des Virunga au sud jusqu'aux montagnes du Rwenzori au nord. Il comprend une grande partie du lac Édouard et les plaines de la Windy. Cette diversité de paysages a permis l'existence de la biodiversité la plus importante de toutes les aires protégées d'Afrique.
Plusieurs espèces emblématiques y trouvent un habitat favorable. Les lions, des hippopotames, ainsi que trois taxons de grands singes. Les gorilles de montagne, les gorilles de Grauer et les chimpanzés de l'Est. En 1979, il est consacré patrimoine mondial, mais rejoint la liste du patrimoine mondial en péril en 1994. Il est également désigné site Ramsar depuis 1996. Au fil de son histoire mouvementée, le parc national de Virunga a dû faire face à plusieurs conflits armés et il a longtemps été une zone de repli pour des milices armées. Ainsi, ce sont plus de 200 rangers qui ont payé de leur vie la protection de ce site exceptionnel en date de novembre 2020. Voilà. La localisation. Le parc national est situé dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, au centre de la région du Rift Albertain. L'extrémité sud du parc se trouve à quelques kilomètres de la ville de Goma, le chef-lieu de la province. Voilà. Description générale, trois secteurs du nord au sud. Le parc national de Virunga peut être découpé en trois secteurs principaux. Au sud, les montagnes de Virunga. Au sud se trouvent les montagnes de Virunga avec une altitude maximale de 4500 mètres. On y trouve deux volcans actifs, Nyiragongo et le Nyamuragira. Le mont Mikeno est lui un volcan endormi. C'est le premier secteur à avoir été protégé en 1925. Le paysage est couvert par la forêt à Fomantane. Le centre de gestion administrative du parc national se situe dans le village de Rumangabo, à proximité de la zone de présence des gorilles. L'hôtel du mont Mikeno est l'un des principaux équipements touristiques du parc. Ce secteur sud forme avec le parc national de Volcan. Ce secteur sud forme avec le parc national des volcans, Rwanda, entre parenthèses, et le parc national des gorilles de Gahiga, un ensemble écologique appelé en anglais le Virunga Volcanoes, voilà, Greater Ecosystem. Donc, ça dit, Bandeko Nanga, il faut te faire attention, puisque Moutou a appelé ces informations aux journalistes. Est-ce qu'elle s'est fondée dans la donnée OET? Donc, il faut te faire attention. Tout ça allergique na ba makamchouchou mais il faut attention mes ala toyeba to ko benga mais il faut toyeba makamni to koloba. Donc c'est très important. Au centre le lac Édouard et les plaines. Le parc s'étend sur les plaines alluviales des rivières Rutshuru et Rwindi. Ces deux cours d'eau se jettent au sud du lac Édouard dont la majeure partie ainsi que les berges font partie intégrante du parc. Le parc est limité à l'est par la rivière Ishasha, qui marque la frontière avec l'Ouganda. Faut faire attention, au nord, le bassin de la Semliki et les Rwenzori. La Semliki prend sa source dans le lac Édouard, puis s'écoule vers le nord. L'est du massif des Rwenzori est également dans les frontières du parc. Son point culminant s'élève à 5119 mètres. Ce milieu est qualifié d'alpin. Les sommets sont couverts par des neiges éternelles. Voilà. Donc, ça dit, Bandegolanga, et loko est intéressant à ma kasi, est intéressant à ma kasi place. Tout faire attention. Ce secteur sud forme avec le parc national des volcans, Rwanda, et le parc national des gorilles de Magiaga, un ensemble écologique appelé en anglais les Virunga Volcanoes. Critères écosystème. Donc ça dit c'est très important. Mais surtout tout à la Sikoyo, au total parc de Virunga Yabiso, tout à la Sikoyo, tout ça qui exercice soit tout à la Sikoyo parc de Virunga donc ya Rwanda. Et là on y va comme il faut. Après tout ce que ça n'a comme amie tout ça là. Surtout que la Wikipédia parc national de Virunga, Parc national de Virunga. Parc national
Attendez, donc tout à l'heure, dans ce qui est exercice, on a du Rwanda. Donc, on a tout faire attention, on a tout fait, on a tout fait. Voilà, Rwanda, voyage du parc national de volcans. Voilà. Parc national, côté la banque, parc national des volcans. Donc, au fait, à l'origine, c'est le Romongo, mais il y a une au Kabwana. Donc, à l'origine, c'est le Romongo, mais il y a une au Kabwana. Donc, tant que tu es là, il faut que tu aies là, je vais te dire que tu es là. Donc, moi, donc, ça dit, les autres, ils savent que c'est un parc de Virunga. Toujours parc de Virunga, mais dans le cas, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Le parc du Virunga est un havre de paix sauvage et luxuriant des reliefs de végétation. Le paysage volcanique est exceptionnel, cache une faune endémique. Voilà, les gorilles à dos argenté. Voilà. Donc on est libre à parc de volcans. Tout le temps, il y a un peu de ça. Le parc des Virunga a été créé par un décret royal en 1925. Déjà le 9 janvier 1932, le duc de Brabant est encore plus explicite. Donc, au Rwanda, il apparaît que la première exigence qui doit être réalisée est de maintenir l'intégrité du parc. Intégrité territoriale, hydrographique, faunistique, floristique, géologique. Ce qui implique non seulement l'exclusion de tout élément étranger à la faune et à la flore indigène, mais aussi que l'on évitera avec le plus grand soin tout acte de nature à altérer l'équilibre naturel. L'intervention de l'homme doit être exclue. Situé à cheval sur l'équateur et proche de la crête Congo-Nil, le parc national des Virunga est le plus ancien parc national d'Afrique, connu sous le nom de parc Albert jusqu'à l'indépendance, incluant la partie qui constitue aujourd'hui le parc national des volcans du Rwanda. Donc, c'est très important puisque volcan n'est la tangi n'a pas de document, volcan n'a soyez l'ingélo ba, donc virung ingélo ba n'a soyez le volcan. Bangoukou n'a pas oubé un parc de volcan, bisobi parc de virung. Mais, n'a pas de document, on parle que d'un seul parc de virung. D'où, ils ont prêté confusion, puisque à l'origine, il y a eu imbrication. Ma belge, dans ma sanction administration, Bissona, Wanana, Wundi, Ndenge, ma botolaki, Allemagne, ma sanction administration. Il y a un appel, il y a une force publique, et comment il paye à Bango? Monnaie, na 50, et tout, na monnaie à Wanda, Congo belge, Wanda et Wundi. De ma sanction, Bissodo, ça dit, bah institution absolue ce qu'on m'a dit ensemble avec une imbrication de bah blogan et kamay et comment imbriqué donc et kamay 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 donc c'est à dire histoire des gens mais bon il y a un moment même le autre on a conflit là bah rwandais tout ça puisque à partir imbrication à partir à sden à partir d'un allemand à perdaki bah botte l'allemand bah kaboli bah payer billet d'où conflit bison na ba rwandais le puisque Belgique moyen le bezati mais les preuves sont là. Imaginons que ce va passer ba anglais biso va passer Burundi na Rwanda na ba Angleterre na Angleterre biso nous tiquer na Belgique on va conflicter ba confusion ngiza la té puisque ça Angleterre ça pays mobimba ça makam nango Belgique pays ça pays mobimba makam nango mais biso ce que ba sangisi ce que ba pe ba territoire colonisé ba sangisi en biso toi au départ était indépendant du Congo de comme colonie avec la Belgique bon nous sommes bien en colonie après d'autres ba 23 ans ya était indépendant du Congo plus 19 ans donc ça dit plus ou moins après 42 ans ba yo sang sa biso ti na ba indépendance. Donc, 42 ans, il y a 500 ans, il y a une indépendance. Plus ou moins, 30, donc, plus ou moins, donc, il y a 40 ans, 41 ans. 42 ans, tout ça, il y a 40 ans presque, il y a fusionné.
de 39 ans, 39 ans ou 31 ans. Oui, 1919-11, donc ça dit 41 ans. 41 ans, de, bah, il y a fusionné. Il y a donc 41 ans, il y a fusion, il y a une facilité. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, administration kaka moko métropole kaka moko na zo côté la bangote ça c'est l'histoire tout ça quand même allergique na histoire té et yango moni zo même chose la confusion do na ba document mou chouchou au temps pour mon on vous parle que du parc de Virunga mais ezali à Rwanda parti à Rwanda quand ba épé côté na biso on vous parle du parc de Virunga. Mais ils allaient partir à Congo. Mais je suis allé précis parc le parc de Virunga. Je suis allé précis dans le parc de volcans. Normalement, je suis allé comme parc de volcans. Virunga est Bissau. Bango, tant que j'ai une dépendance, je suis allé parc Albert. Deux parties, 25, va créer, va étendre la 29. Nous sommes au parc Albert. Tant que nous avons une indépendance, nous sommes au parc Albert. Albert, dans 69, nous avons changé comme parc de Virunga. Bango, nous avons une indépendance dans Bango, donc au parc Albert. Après, nous avons un parc de volcans. Or, volcan, dans Swahili, il y a Virunga. Donc, on a joué sur le mot. Quand on a joué le mot français, quand on a joué le mot, il y a terroir. D'où, dans l'écriture, dans le livre Mingi, donc, il y a une confusion. D'autant que tout ça qu'on l'oba, il faut tout bah qu'on précise. Il faut tout et puis par que là ils ont qu'on régorgé les mêmes espèces, puisqu'ils ont la même température, même climat. De bleu ils ont coto, ils ont pécoto. Bon, je comprends parce que il y a maintenant l'occupation. Il y a l'occupation d'où Makam na biso mingi ils allaient administrer na Rwanda. Surtout parce que tout ça bah on a frontière. Mon puisque na yoka bato basi ba taxa ba carte que parc Virunga baza ko gérer na Rwanda mais to faire attention. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord puisqu'il y a occupation mais to faire attention puisque donc eza baza ko gérer parc oya bango mais sauf que par moment na ba document mou jour automatique document on parle du parc de Virunga ya Rwanda, parc de Virunga ya Congo. Mais terminologie, terme wana, vocable wana, Virunga, bisonne mouto adopta yon. Bango bazana, oba bengi donc des volcans. Oh, volcan na Virunga, izaka komo moko na Swahili, donc voilà. Donc, bande wana, c'est très important. Donc, situé à cheval sur l'équateur proche de la crête Congo-Nil, le parc national de Virunga est le plus ancien parc national d'Afrique connu sous le nom de parc Albert. Jusqu'à l'indépendance, incluant la partie qui constitue aujourd'hui le parc national des volcans du Rwanda. Il abrite une étonnante diversité biologique en termes d'espèces. C'est la présence des gorilles et des montagnes qui détermina la décision du classement. De biotopes et d'habitats, volcans et champs de lave dans la partie méridionale, plaines alluviales, rivières et lacs dans la partie centrale et également forêts denses, savanes, glaciers, massif montagneux dont le mont Rwenzori, étagé entre 700 et plus de 5000 mètres, étiré sur 300 km de long et au maximum sur 50 km de large. Lors de sa création, les populations locales conservèrent le droit d'y pêcher. Parmi les mammifères, ce sont les populations de gorilles qui constituent la grande attraction de ce parc. Il présente en effet la particularité d'être la seule aire protégée qui abrite la sous-espèce de basse altitude, Gorilla, Gorilla graureri, et celle de montagne ainsi que le chimpanzé et une grande variété d'autres espèces de primates. Mais on y trouve, et en grand nombre pour certaines espèces, éléphants et hippopotames, la plus importante concentration du continent avec 20 000 individus estimés. Buffles, diverses antilopes, phacochères, lions, panthères, crocodiles, la présence de l'okapi a également été notée. Les ressources de grande valeur font de ce parc une des bonnes destinations touristiques.
malgré la période de crise politique qu'a connue la RDC au cours des années écoulées. Le parc national de Virunga regorge une valeur biologique et scientifique inégalée. Les informations reçues à propos de la faune sont alarmantes et il y a de fortes probabilités pour que les descriptions ci-dessus ne reflètent plus la réalité de ce parc qui compte parmi les plus beaux sanctuaires de la faune africaine. C'est en 1979 qu'il a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc voilà, Bandikonangai, Makamoto, Mongeto et Sabino. Le parc national de Virunga comme écotourisme, jadis important générateur d'une fiscalité considérable pour le pays. L'État, après avoir donné une concession à une personne morale telle que le PNV, Parc national de Virunga, celui-ci organise l'écotourisme. En fin de compte, celui-là taxera les impôts sur le chiffre d'affaires dans le but de contribution nationale ou d'imposition fiscale. Donc, Bandekonangai, c'est très important. Aujourd'hui, chose impossible. Et d'ailleurs, cette façon de gérer est rentable pour une aire protégée, pour préserver l'écosystème durablement pour des générations à venir. Pas plus qu'hier, les guerres et rébellions y ont sévi sans ménagement au vu eux aussi de la communauté internationale. Donc, à contrario, dans le cadre d'une exploitation normalement écotouristique, il est admis désormais que le développement doit être durable et soutenable, ce qui aura normalement pour conséquence une gestion intégrée. Il est important de voir les engagements pris par la RDC en matière de la protection de la biodiversité. Donc, Bandekonangai, et là, on a aussi un congolais, Bandekonabiso, tous à la prudence, réaction à l'île normale, mais tout faire attention, puisque parc qu'on a à la base, ils allaient qui parc comme Moko, Albert. Peu importe où ça a été en 1925, il y a étendre en 1929 côté à Rwanda, mais nous sommes en parc Albert. Tant aux unes des indépendances, nous sommes toujours partis. Ouais, nous sommes donc au Congo belge, nous sommes en parc Albert, titre comme ça, des Virunga. Bango, tant aux indépendances, certainement, il y a Albert, Alberti, parc des volcans. Mais à l'origine, ils allaient même parc. Et il y a Banyamo Bazali Koto, Pe Bazali Koto. Banzete, Zambo, Ezape Koto, Peza Koto, Climat, Ezape Koto, Peza Koto. D'où, c'est-à-dire, confusion Zali na ba terme, na ba livre Mouchouchou, au moins on va parler de nous quand on a parlé de Virunga, mais ba Tché Sikoyo, Ezape na Rwanda. Puisque Kigali, Ezape Menoa, Kigali, c'est une des capitales quand même d'Afrique. Bisson des Ali, ville où ils appellent les Agoma. Si quoi dans l'ouvrage, je me suis parlé dans le parc de Virunga du Congo. Dans l'ouvrage, je me suis dit que le Kabolama, le parc de Virunga, les Araya Congo, le parc de volcans de Rwanda. Donc, c'est très important. C'est très important. Bon, confusion, il y a les Ali, la doctrine, hein? Donc les Ali, le Komi Bongo, puisque il y a une origine, il y a le Komoko. Et donc voilà, de te faire attention. Et ça dépend de l'abusso. Quand nous réagissons, il faut pour réagir avec de quels arguments. Puis je trouve le bagage par les virons, les alliés abusso, mais il faut démontrer, il faut expliquer. Pour battre, il faut comprendre. Et là, maintenant, il faut faire l'historique. Il faut faire l'historique pour nous comprendre pourquoi et comment les alliés qui n'ont voilà, je suis en train de faire des choses qui sont en train de la communauté. Je suis en train de faire des choses peuple souverain, combattant résistant révolutionnaire, PNI. PNI, les alliés politiciens non institutionnels. Je suis en train de faire expliquer ce qui est le bourgeois téléphone, puisque ce qui est le bourgeois, au moins, il y a un masque au téléphone, mais tout le monde est en train de Yopé ndeko sale effort ndeko yopé comment non seulement que sale effort to loba to benga bango mais to comment congolais fou comment chok ba makambo zo bima il faut to comment il faut to tena ba conférence de presse ba situation il faut to expliquer il faut to za la lobbying mon quoi ndengwana situation sami boye dans la semaine ou dans les mois to tenir conférence de presse
tous en bateau ou bah oui qu'on l'oublie yo posa monte tous en bas capacité n'a pas besoin de sa capacité il est pas besoin de sa capacité choque tout comme correspond les néguana donc beaucoup monde que lobby mais bah wande bah qu'on respecte du show mais bah étranger bah qu'on respecte du show puisque au moins là tout bien après tout choque wana oh il faut faire donc des grands débats des grandes émissions il faut du noté cas quand même il faut bisonner tout c'est prendre en charge de ma côté voilà donc et le quoi la mutalobi ils ont mondé les ils ont wandété et le quoi la mutalobi ils ont mondé les a wandété mondé là la lobby boué donc on va dire wandé mon côté malouba non puisqu'il y a des écrits puisque à côté na Google à côté na document boué bah PCI na rédaction na bango bah commis bon puisque ils allaient justifier na zone le bangai na zone congolais ils allaient justifier bah document mouchouchou quand on parle de parc de Virunga c'est la confusion puisque à l'origine ils avaient le Congo, bisso le on a voulu sortir comme que tout en a mis tout parce que quelque part à partir de 1919 et surtout officiellement en 1925 tout comme qui l'administration Congo n'est même pas d'abord bah non quoi tout comme là bah non comme Congo tout comme là bah bon non quoi tout comme là bah ici comme Congo d'où non quoi ça n'est ni sangi sisko makambu et comme ici comme c'est la même chose, confusion, ndenge zalaka na cabine na Angola. Cabine na Angola au départ et avec deux lignes diamétralement opposées. Ce n'est que la 56 ndé il y a une des administrations la 56 que Angola puisque ba moni non ba portugais pour la question il y a budget, question économique, ba sangisi administration si comme on a 56. Depuis plus de 4 siècles, il y a 56 de l'administration. Il y a Kabinda, na, il y a Angola, donc Luanda. Il y a l'indépendance des bandits, en 1975. Donc, Kabinda, ils ont une statue. Donc, il y a tout, ils ont une statue. Donc, il y a Kaboula qui est en Afrique. Il y a l'administration. Et il y a une conséquence. Les alliés donc au Togo donc il faut être basé la prévenu basé la averti donc Togo Buna Nakanango et les alliés chose facilité t'es fait bah lobby Nango y a on a tout niais que bah Rwanda mutu bah tiba on nous on a malbana nous bah tu m'ouvres bah oui mais pouvant nous en raison t'es alors que bah document chouchou ils ont parlé à parc de Virunga quand on parle de parc de Virunga donc pour la bango c'est les alliés y a des côtés. Voilà, ben voilà, autre gars, voilà, moi, tout ce qui a voulu dans le domaine de la communauté. Merci.